Ouais. Hey, Nelly! As-tu remarqué qu'il y a un radar de police à la sortie de la ruelle? Ouais, ouais, ça fait une couple de jours qu'il est là, ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il y a personne qui passe là, ben, pour toi, là. Mais c'est bien. Ah, pour ça, il est pas bien à son ouvrage. J'ai dû passer là, je l'avais pas vu. 90, d'une zone de 50, pas de ticket à rien, chanceux. Ouais, t'es chanceux, certain. Moi, ça fait 6 que je pogne dans les deux derniers jours. 6 tickets de vitesse? Ben, la vitesse, il faut dire vite, là. Plus vite j'allais, c'était à 52. Non, y a-tu quelque chose contre toi, ce gars-là? Non, Denis, va pas penser qu'il y a juste moi qui s'est fait tasser sur le côté, là, quand même. Mais qui d'autre? Un livreur de pizza. Le gars s'en venait le pied dans le tapis. Ah, ouais? Il s'en venait-tu ici? Heureusement pour lui, non. Comment ça? Ben, le policier, il a demandé, puis quand il a vu que c'était pas le cas, il l'a laissé aller. Oh, jamais. Ça ressemble à du harcèlement policier, ça. Oh, voyons donc, Denis. Ce brave membre des forces constabulaires ne fait qu'appliquer la loi dans l'exercice de ses fonctions. Voyons. D'ailleurs, ne te sens-tu pas interpellé par toutes ces pancartes aux quatre coins du Québec qui disent « Attention à nos enfants, ça pourrait être le vôtre? » C'est sûr que je me sens concerné. Parce que tu fais attention aux enfants? Non, parce que ça peut vraiment être les miens. Sainte-Bénite, j'en ai donc bien des courriels. Ça augmente à chaque jour. T'es populaire. Le seul problème, c'est que c'est de plus en plus long à lire, alors il faut que je reste après le travail. Jean-Louis? Quoi? Tu sais que c'est des pourriels? Ah non, hey, hey, y a rien de pourri là-dedans, là. Ce sont des offres toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Mais là, tu vas pas me dire que tu les lis tous? Hey, consciencieusement. Je voudrais pas passer à côté de quelque chose. Oui. Jean-Louis, ça, là, c'est comme les circulaires que tu reçois à la maison. Les circulaires, là, est-ce que tu les lis? Ben oui. Non, mais Jean-Louis, imagine-toi pas que ces gens-là t'envoient ça, là, pour devenir ton ami. Oh, dans certains cas, ça reste à voir. Tiens, tiens, regarde, comme lui, là, ici, là. Hi, babe. Hein? Tu vois? Si c'était simplement pour des raisons commerciales, là, le ton serait pas aussi familier et personnalisé. Ouais, ouais. C'est un envoi, là, de Sex Bomb 69. Ambigu, je le sais, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, il arrive tellement d'affaires sur Internet que les gens gardent une certaine distance. Ah, oh, ça se peut-tu? Oh, oh, Roxane! Garde juste un petit service. Tu sais que je parle pas bien bien l'anglais. Penses-tu que tu peux me traduire le titre de ce courriel-là, ici? T'es sûr? Oui, oui. Enlarge your penis. Enlarge, ça veut dire augmenter la dimension. Your, ça veut dire votre. Oh, oui, oui, ça, je le sais. C'est l'autre mot après que je suis pas sûr. Ça va surtout soulager. Soulager dans quel sens? Ben, j'ai finalement dit à mon ex que Germain est entré dans ma vie puis que c'était sérieux. Tu l'as dit à Gaétan? Comment il a pris ça? Ben, voyons, il n'y a pas grand risque qu'il soit jaloux depuis qu'il est sorti du placard. Ah, c'est vrai, il était parti avec son sergent. Oui, son sergent, oui. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'il n'a pas le goût d'y retourner dans le placard? Parce qu'il ne devait pas y avoir ça tant que ça, il t'a quand même fait 4 beaux enfants. Mais oui, mais voyons, Gaétan est quand même un gars équilibré, sinon pourquoi il serait rentré dans la police? Hey, Romain! Hey, Denis! Dis-moi donc, as-tu d'autres troubles avec la policière depuis la dernière fois que je t'ai vu? Ah oui, Denis, mais ne me reviens pas avec cette idée fantaisiste d'acharnement policier. J'avais rapport non pas avec la vitesse, mais des infractions au stationnement. Bon, j'étais pas stationné à la même place que d'habitude. Oui, mais dans l'heure qui a passé, subrepticement, c'est devenu une zone de stationnement interdit. Non, Germain, c'est ton driveway. Mais comme me l'a expliqué le policier, nos élus savent mieux que nous ce qui est bon pour nous, c'est pour ça qu'on vote pour eux. Bon, au moins, tu l'as changé de place. Moi, non, mais le towing, oui. Tu t'es fait tower? Bien sûr, Denis. J'étais d'une zone de stationnement interdit. Ouais, Germain, mais pourquoi tu l'as pas tassé toi-même? Ben, t'essayeras, toi, avec un sabot de Denver. Comment ça, un sabot de Denver? Ben oui. Les deux la même journée. Drôle de hasard, hein? As-tu été capable d'obtenir le nom de ce policier-là, toi? Eh bien, pendant qu'il effectuait une fouille corporelle sur ma personne et que j'avais la face écrapoutie sur mon hood, j'ai réussi à tourner la tête histoire de recommencer à respirer et j'ai alors pu apercevoir son badge. Ah, parce qu'il t'a fouillé en plus. Il ne faisait que faire son travail, Denis. D'ailleurs, il m'a expliqué que je ressemblais en tout point au portrait robot d'un revendeur de drogue jamaïcain. Et qu'est-ce qui était écrit sur sa badge? J'ai côté. J'ai côté. Ah ouais, comme, mettons, Gaétan Côté. Ben oui! Hey! Pareil comme
pareil comme l'ex à Vivi. Hey, c'est lourd, ça. La main humaine. Hey, en plus, il était policier, lui aussi. Tu m'en as pas fait doué. Oh, shit. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Mon nom est Stéphane Boudreau de la firme Sondexcom. L'étude de marché que nous faisons en ce moment vise à mieux connaître les opinions des consommateurs. Enfin! Pardon? Oh, j'ai dit enfin, ça fait des années que j'espère qu'on va m'appeler pour un sondage. Ah! Oh, je suis tellement excité. C'est quoi le sujet? Les piles rechargeables. Oh! Ça, ça tombe bien. J'en ai long à dire là-dessus. Mais dans ce cas-là, avez-vous 5 minutes à nous accorder? Est-ce que ça dure 5 minutes pour vrai? J'avoue qu'en fait, c'est plus proche de 20 minutes. Ah! OK, ben attendez-moi une petite seconde, je reviens tout de suite. Y aller, je suis prêt. OK, je vais essayer de faire ça vite. Oh non, 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 non. Prenez votre temps, là, parce que ça pourrait fausser les données de votre sondage. Bon, ben OK. Alors, pour voir si vous êtes éligible à répondre à notre questionnaire, nous aimerions savoir si vous-même ou une personne de votre foyer travaillez dans un des domaines suivants, une firme de sondage? Non. Une agence de publicité? Non plus. Et un média électronique ou écrit? Ben, je travaille pour un magazine. Ah, ben dans ce cas-là, j'aurais pas besoin de vous déranger plus longtemps. Merci de nous avoir accordé de votre temps et bonne soirée. Hey! Allô, Jean-Louis, ça va? Non, ça va pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? On a bafoué ma liberté d'expression. Qui ça on? Une compagnie de sondage. Ils ont refusé que je m'exprime sur les piles rechargeables. Ah, oh, tu t'intéresses au sondage en plus. T'avais pas assez de tes pourriels à lire. Hey, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, Roxane. D'ailleurs, je me laisserai pas faire, je vais les relancer. Je refuse d'être un citoyen de seconde zone. Moi aussi, j'ai le droit d'y participer à leur sondage. Oh. Sylvie? Oui? Je me demandais ça, là, ton ex, Gaétan, ça serait-tu du genre rancunier, ça? Pourquoi tu me demandes ça? Non, mais ça serait-tu du genre vouloir, genre, nuire à ton bonheur avec Germain? Oh non, 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 non. Peu importe ce qui a pu arriver, mon bonheur a toujours été une priorité pour Gaétan. Il était prêt à aller très loin. D'ailleurs, je suis la cause de sa première suspension. Parce qu'il a été suspendu plusieurs fois. Oui, mais celle-là, c'était pour quelque chose de pas trop grave, là. Il a juste voulu me prouver que mon chum de l'époque avec qui il était en compétition me ferait pas un bon mari. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Mais il avait commencé par installer un radar au coin de sa rue, là, pour démontrer qu'il chauffait en fou. Sais-tu quoi? Il avait raison. Hey, le gars, il a pogné 6 tickets en 2 jours. Et ça s'est terminé comment, cette histoire-là? Ah, ben là, à un moment donné, j'ai plus une nouvelle du gars. Et puis quand je me suis informée à Gaétan à ce propos-là, il m'a juste dit que l'affaire était... Voyons, comment est-ce qu'il a dit ça, donc? Ah! Que l'affaire était enterrée. Et ça, c'est la raison la moins pire pour laquelle il a été suspendu. Oui. Oh! Veux-tu que je te raconte ce qui est arrivé au gars qui m'a soufflé sa rue? Ça ne sera pas nécessaire. Denis, t'as pas l'air convaincu que Gaétan fera pas de trouble? Ah oui, je suis convaincu. Non, mais de toute façon, si Gaétan a l'écœur, Germain, c'est toute une pièce d'homme. C'est pas le genre à se laisser marcher ses pieds. Non! Gaétan! Va-t'en! Va-t'en, Gaétan! Reprends-le avec toi si tu veux, mais laisse-moi tranquille. Je t'en prie, Gaétan, ta fleur de... Germain, vais-tu ouvrir la porte, cibole? Denis, est-ce bien toi? Non, oui, c'est moi, ouvre. Oh. Bon, j'ai parlé à Sylvie. Oh non, tu n'as pas tout raconté ce qui se passe. Je voudrais tellement pas qu'elle s'inquiète. Que... Rassure-toi. Puis, est-ce que Gaétan a déjà tabassé quelqu'un? Non, tu serais le premier.
Bon, donc, je peux me rassurer et avoir confiance qu'il saura comprendre le gros bon sens. Mais c'est quand même un policier, là. Donc, j'ai raison de me méfier? Ben. Comme le prophétisait ce philosophe des années 80, désir égale danger. Quel philosophe? Martine Saint-Clair. Bon, et t'es sûr qu'il y a d'autres choses, là? Je reçois des appels, Denis. Des appels de menaces? Des appels où ça respire fort, en tout cas, là. Qu'est-ce qu'il te fait dire, c'est lui? Quand j'écoute comme fou, là, en arrière, j'entends du monde commander des beignes. Voyons donc, ce passe-boussy de la ligne, c'est supposé sonner. Oui, allô? Oui, je suis bien chez Sodexcom. Oui? Oui, je m'adresse bien à Stéphane Boudreau. Comment vous avez fait pour avoir mon numéro? Ah, ça, c'est une question que vous devez vous faire poser souvent, hein? Oui, à part de ça, vous êtes qui, là? Ah, je m'appelle Jean-Louis Dubuc. On s'est parlé hier soir dans le cadre de votre étude de marché, là. Oui, mais pourquoi vous rappelez, là? C'était pas assez pour vous de répondre à un questionnaire de 20 minutes? Ben là, justement, c'est parce que j'ai pas eu la chance d'y répondre. Il y a eu un malentendu. Bon, bon. Comment ça, un malentendu? Ben, je travaille dans le domaine des médias, oui, mais pas pour un média d'information générale. Donc, je crois que je suis admissible à votre sondage, malgré ce que vous pensiez. OK. Là, là, vous m'appelez pour parler de piles rechargeables pendant 20 minutes? Ah oui, oui, mais faites-vous-en pas, j'ai tout mon temps, je suis sur mon heure de dîner. Mais oui! Mais là, vous êtes pas sérieux, vous me niaisez! Non seulement je suis sérieux, mais j'insiste. Bon, au moins, il est pas rentré ici. Oh non! Regarde autour de toi! Quoi? Ben, j'ai quitté l'endroit quelques instants et à mon retour, c'était comme ça. Comme ça, comment? Ben, Denis, c'est clair, l'endroit a été fouillé! Je vois ça, moi. Ben voyons, c'est tout en désordre. Germain, ça a toujours été en désordre. Ce n'est pas tout. Comme dans un film de mafia, j'ai reçu une boîte avec un poisson mort dedans. Vois! Ah, Germain, c'est une canne de sardines, ça. Ah, ouais. N'empêche que c'est une boîte avec du poisson mort dedans. J'ai vu le même, peut-être. Oh, j'aimerais tellement ça que Sylvie soit ici. Ça pourrait peut-être... raisonner Gaétan. Ouais, puis si ça marchait pas, pourrait me servir de bouclier humain. Mais là, t'as un méchant problème, hein? Parce que tu peux pas appeler la police? Pourquoi pas? Parce que la personne qui te harcèle, c'est la même personne qui est supposée te protéger. Ben oui, garde donc ça. Germain, t'as pas appelé la police toujours? Pas longtemps. Oh. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient l'officier en service le plus près de chez moi. Qu'est-ce que tu fais? J'attends. Oui. Je vois bien, là, mais t'attends quoi? Ah ben, c'est parce que j'ai rejoint le jeune homme, là, qui m'avait appelé hier soir pour son étude de marché. Et puis, ben là, comme c'est un petit peu inhabituel, il est allé consulter son superviseur, alors il m'a mis ça en mise en attente. Mais depuis combien de temps? Ah, ben là, tiens, ça fait une bonne petite demi-heure, là. Oh. Et là, t'es sûr qu'il va revenir? Ben oui, hey, c'est sûr et certain. Hey, ils sont assez contents quand ils trouvent quelqu'un qui répond avec autant d'enthousiasme que moi. Mais là, là, qu'est-ce que t'entends, là, sur la mise en attente? De la musaque? Non, non, en fait, c'est un message assez original. Ça dit « Veuillez raccrocher et composer de nouveau. Ah. » Oh, Denis! As-tu parlé à Germain il n'y a pas longtemps? Ben, j'arrive de chez lui. Mais dans ce cas-là, c'est drôle que ça réponde pas. Quoi? Il répond pas? Non, ça, ben, ça vaut pas la peine de s'inquiéter, là. Oh, je retourne chez lui. Hey, Denis, qu'est-ce qui se passe? De rien, rien. Peux-tu que j'appelle la police? Surtout pas. Ça va, Germain? Denis, j'ai peur que mon courrier explose. Comment ça? Cette lettre, c'est lui qui l'a laissée. Bon, on va enfin savoir ce qu'il veut. Ça sent la fin, Denis! Non, au contraire, je trouve que ça sent très bon. Oh, mon Dieu. Oh, il dit qu'il a l'intention de se servir de sa matraque, c'est ça? D'une certaine manière, oui.
Qu'à cela ne tienne, Denis, si la mort est pour arriver, autant la regarder en pleine face. Rassure-toi, il n'est surtout pas question de ça. Ah non? Tu te souviens que Gaétan avait laissé Sylvie pour partir avec son sergent? Oui. Ben, peut-être qu'il n'est plus en amour avec son sergent, mais je pense qu'il aime encore les beaux colosses comme toi. Es-tu en train de me dire, toi, là? Que... Monsieur Langlois, sans doute m'avez-vous trouvé malhabile, mais je ne savais comment vous approcher autrement que d'une façon que mon métier justifiait. Si vous saviez à quel point mon cœur battait lorsque je vous fouillais, si vous... Denis! Il en reste encore beaucoup, comme ça, là? Trois pages. Si on va arrêter ça, là. Oui, c'est ça, madame. C'est ça. Et merci encore de la part de son ex-com. Hey, pauvre monde, faut-tu avoir du temps à perdre? Vous êtes bien Stéphane Boudreau? Moi, c'est Jean-Louis Dubuc. Me replacez-vous? Oui. Oui, c'est ça. C'est moi qui vous ai appelé un petit peu plus tôt. Mais on aurait dit qu'il y a eu un problème sur la ligne. Oui, oui, ça se peut, ça, oui. Bon. Alors, on l'a fait-tu finalement, votre étude de marché? T'es allé le relancer à son bureau? Je pensais bien faire, sauf que je m'attendais pas à ce genre de réaction-là de sa part. Ben là, c'est comme si t'étais allé à la pêche, là, puis que le poisson avait décidé de sauter de lui-même dans la chaloupe. Là, il m'a traité d'anormal. Alors que t'es tout simplement quelqu'un qui lit ses pourriels un par un puis qui court après les sondeurs. Oui, puis ensuite, il a appelé la police. Ben là, calme-toi, là, tu t'es pas fait arrêter. Ben non, justement. Ben, t'as pas l'air content? Ben non, je suis pas content. Tu sais, non seulement je suis tombé sur un sondeur qui botche, mais en plus, j'ai droit à un policier qui fait sa job à moitié. Ben, quoi, t'aurais préféré être condamné, là? Ben, là, si vraiment j'ai fait du harcèlement, il me semble que j'aurais eu au moins droit à des travaux communautaires, non? Ah, ben là, Jean-Louis, considère-toi chanceux. Ben non, je peux pas, parce que je peux pas me repentir. Je peux pas payer ma dette envers la société. Je vais être obligé de vivre avec ça sur la conscience. Jean-Louis! Mais fais-toi-en pas, ça en restera pas là, parce que j'ai noté le nom et le matricule du policier en question. Ben, Jean-Louis, fais pas ça, là. Allô, oui, est-ce que je pourrais avoir le poste du constable Charlebois, s'il vous plaît? Hey, arrête ça! Non, hey, laisse-moi aller, tu vas voir. Constable Charlebois! Oui, ici Jean-Louis Dubuc à l'appareil. Oh, oui, c'est moi l'homme que vous avez omis d'arrêter cet après-midi, là, dans les bureaux d'une firme de sondage. Oui. Le but de mon appel, eh bien, c'est de vous permettre de vous racheter, constable. Oui. Ben, en m'arrêtant pour harcèlement. Oui. Oh non. Non, 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 c'est pas une blague. Et puis, je vous conseille de me prendre très au sérieux parce que moi, je vais aller au bout de cette affaire-là. En passant, je sais où vous habitez. Hé, Romain! Hé, Denis! Une petite frette, mon ami! Ah, voyons. Hé, hey, Denis! Hé, mon nounours! Hé, hey, Vivi! Une petite frette, ma Vivi! Oh, envoie donc! Puis un petit bec aussi. Oh, mouah! Hey, je vous dérange pas trop dans vos conversations de gars, j'espère. Non, 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 c'est juste que je réalise que l'ambiance du garage a un peu changé. Ouais, c'est de moins en moins taverne, puis de plus en plus brasserie. Regarde, bienvenue aux dames. Ah. Ouais, okay. Hey, j'allais reconduire les enfants chez Gaétan. Tu m'avais pas dit ça que vous vous étiez rencontrés? Non, hein, je t'avais pas dit ça. Le monde est petit pareil, hein? Ah, puis il semble que tu lui as fait bonne impression. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dû dire quelque chose comme « Oh, t'es chanceuse de le côtoyer. » Non, sérieux! Il t'a trouvé très sympathique, mais un peu farouche. Oh, ouais, farouche. Ah oui, même qu'il s'est demandé si t'avais peur de lui. C'est-tu niaiseux, hein? Non, mais Germain aurait pu penser que Gaétan voulait se venger. Ah, ben, voir si j'aurais pu penser qu'il sorte de sa position pour faire du harcèlement constabulaire. Par exemple. Non, moi, tu sais, quand je fais affaire avec un achalant, là, je le reviens de bord, puis c'est pas long, tu sais. Hey, force de caractère. Excusez. Langlois mécanique générale. Oui.
Bon, c'est à quel sujet? Ça prend combien de temps, ça? OK. Des piles rechargeables. Masculin. Ouais. Et ce que j'apprécie le plus, c'est évidemment leur rechargeabilité. Ben, c'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai coupé ce cours, hein?